Sur le financement de la section JIMAC à travers la MINUSMA et l'exécution de l'ONG ADAS, les populations de Tourchawat ont bénéficié de la réhabilitation et l'équipement d'un périmètre rizicole de 40 hectares. Ainsi, Tourchawat, à travers ce projet, bénéficie d'un groupe motopompe, de gasoil, de semences et de petits matériels agricoles pour mieux exploiter les 10 périmètres. Il est aussi à signaler que durant l'exécution de ce projet, plusieurs activités ont été réalisées afin de pousser les populations à faire de ces projets le leur. Cette cérémonie qui nous réunit a pour objectif de procéder à la remise officielle aux bénéficiaires du projet intitulé « Réhabilitation et équipement d'un périmètre rizicole de 40 hectares à Tourchawat ». Ce projet est financé par la section JIMAC à travers la MINUSMA et exécuté par l'ONG ADAS. Pour la réalisation de ce projet, les activités suivantes ont été menées. La fourniture d'un groupe motopompe pour l'irrigation du PIV, la fourniture de 4000 litres de gasoil, l'acquisition de 2000 kg de semences certifiées aux exploitants, le renforcement des canaux secondaires sur 500 mètres, l'achat et la livraison de petits matériels, le renforcement des capacités techniques et de gestion de 11 personnes du comité de gestion existant et 9 femmes. Il a précisé, compte tenu de l'insécurité grandissante dans la zone, il a été décidé de commun accord avec les différents acteurs d'organiser une cérémonie modeste en invitant seulement les différents responsables et quelques bénéficiaires. Cette donation contribuera à coup sûr à réduire les taux de chômage, à lutter contre l'exode de jeunes, mais aussi à contribuer à l'autonomisation des femmes de la localité, selon les dires des bénéficiaires. Mo ter sam biri kanta minisma rigal barka biri tis projet wo gay ano kangin na te kaka ho gato jiri hin zamma ho ngayar ko hin kakanda donc ngal barka gi hin ka irgan sakana tis inirino moteur inirino gasoil inirino demi inirino brouette de pelu wo barkan ni no wo yani makoy goy an kanyi makoy huna ngal barka ga hansa kanati wara shir ganati adasisi kanti fournisseur kan kan dayirdu zana jeunesse au kadireira ani ka imadira ka kongi bungati bandi yan wali mako sa joro ka ti hayfu tanati donc ga hansa kal barkati misma sheigal barkati koira me reinda amire kurshe kango koira dal fari kango koira da borai kan kan da goyo kure ga hansa kal barkati shi aygal barkate warshe kandira ka kildu na mararo ka wanna tirshi aygal barkate misilma she kan ka tirshe faba ikatirshe moter ikatirshe gasoil ikatirshe dumi ikatirshe brouette ikatirshe pellu ikatirshe arato wal barka bel no kildu wa warkanani no hunay ani no goy kan dinay kan dan gana goy irgal barkate ash nda formation kinatirshe waydin kuddu maga kan hansa kilbu ngay fel goyo takar nga shengel barka ga sa kabaril il di projet wor na fil di fa baraka ne til chenaf nga she so wada woy ki kandil she a hansa ka til she nyaali. Ce projet symbolise l'engagement inconditionnel de l'ONG ADAS et son partenaire la MINUSMA à travers JIMAC à soutenir les populations pour abréger leurs souffrances mais aussi de contribuer au développement des zones arides. Signalons que la cérémonie de remise officielle de ce projet a eu lieu le 6 mai 2021 à Tourchawat, dans la commune de Banikan, cercle de Gourmararousse.